Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer une variante d'arme gratuitement sur Call of Duty Cold War. Alors pour débloquer ces armes, il faudra être en zombie. Donc quand vous allez dans zombie, vous allez dans défi, non je pense que c'est en caserne, voilà, vous allez dans caserne. Et là vous allez dans boutique de prestige. Et là en fait, regardez, je viens de le découvrir, moi j'étais même pas au courant. En fait, depuis la saison 4 de Cold War, dans les plans, vous avez des armes gratuites que vous allez pouvoir débloquer. Donc là, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci, le Terreur caché. Donc c'est un fusil de précision Delta et vous l'avez en légendaire. Donc voici un peu à quoi il ressemble. Vous avez même la bouche, le canon, le chargeur, la crosse et la poignée qui sont indiquées à l'écran. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Alors pour débloquer cette arme gratuitement, il vous faudra deux clés de prestige. Alors comment on fait pour gagner des clés de prestige? Ben c'est très simple, vous allez jouer en zombie ou même pas, vous jouez en multi. Et en fait même sur Warzone vous pouvez faire ça, vous montez vos niveaux et quand vous arrivez au niveau 50, ben vous êtes prestige 1. Au niveau 100, prestige 2, au niveau 150, prestige 3, je crois que ça fonctionne comme ça. Ou alors c'est peut-être tous les 100 niveaux. Attendez, je vais vérifier un petit truc. Donc la prestige, atteindre le niveau 200. Non, en fait, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, prestige 21, c'est niveau 100. Ensuite, niveau 150 et ensuite niveau 200. Donc à chaque saison, en fait, il y a 3 voire 4 prestiges à débloquer. Et chaque prestige vous rapporte une clé de prestige. Donc regardez, récompense, une clé de prestige et un autocollant et emblème. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà débloqué tous les autres prestiges précédents. Donc j'ai 84 clés, vous pouvez le voir au-dessus, à côté de mes codes points. Donc là bien entendu, moi dans les cartes de visite il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Donc j'ai jamais été faire un tour en plus. Voilà, une carte de visite ça m'intéresse pas, un emblème non plus ne m'intéresse pas, même s'il y a beaucoup d'emblèmes qui sont plutôt pas mal, mais ça m'intéresse pas non plus. Donc le seul truc qui m'intéresse c'est vraiment les plans d'armes. Donc là je vais pouvoir débloquer les 4 plans d'armes qui sont gratuites. Donc il y a eu la confrontation en légendaire, c'est un fusil d'assaut Charlie. Ici nous avons le cheval sombre mitraillette alpha légendaire. Nous avons le destructeur de rêve, le pistolet Bravo. Donc, voilà, attendez, j'aimerais bien voir celui-là franchement. Waouh, il est stylé quand même. Il est plutôt pas mal, j'aime bien avec son petit côté doré. Alors celui-ci, oh, il est pas mal aussi. Celui-ci, un petit gun, un petit revolver. Ouais, ça va, c'est gratuit donc on prend. Et celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je sais qu'on peut débloquer des variantes avec les clés de prestige. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'achète, j'achète, j'achète et j'achète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace.